N'ap salye tout moun ki toujou pran le soin, ki ban nou atensyon yo nan li video nou projete yo, nan interese avèk informasyon ke nou bay sou sit la indikasyonlakay.com. Jodi a, se nou trouve li important e menm neseser pou nou komante avèk Medjan Max Sever, yon edikater, sityasyon peyi sa, ki fas a l'ekol jodi a, ki afekte sistem edikatif an Haiti a. E Medjan Max va pase de prezentasyon e avek li nou va pale de problem politik peyi sa ki bloke sistem edikatif an Haiti. Medjan Max. Bonjour Maître Libérel, c'est toujours un plaisir et un amour pour nous en ce qui a trait à l'éducation, c'est boulot nous, c'est travail nous. Depuis aujourd'hui nous pour nous intervenir, depuis nous gain chance pour nous porter participation par nous. Pour ça capable aller et puis mieux. Et mon cap la voilà c'est Jean-Marc Sever, moi content en pile je dis avec Zami Mio toujours aller sur site nous qui c'est www.educationlacaille.com pour y aura le sujet que nous débat et information que nous porter pour chaque année ou même chaque mois. Merci. Bref, gros dossier ça yo, c'est moi même avec Jean-Marc qui toujours main yo dans site educationlacaille.com là. Tantôt nous virer sous droit, tantôt nous entrer dans politique et nous faire comparaison avec éducation en Haïti. Monsieur Marc, depuis septembre, l'école t'a dû ouvrir en Haïti. Soit combien septembre? Soit environ 9 septembre. Depuis 9 septembre, l'école t'a dû ouvrir. Timounio t'a dû prendre chemin l'école depuis 9 septembre. Mais nous remarquons qu'il y a un trouble politique, un bouleversement politique qui fait un impact sur rentrée l'école là en Haïti à Nessa. Qui sont cadres nous sur ça? Bon. En tant qu'éducateur. Moi-même, en tant qu'éducateur ou technicien en éducation, parce que nous dit éducation c'est base d'une société. Alors, une société n'a pas faire progrès sans qu'elle n'ait pas éduqué. Tout à fait. N'importe quelle société, n'importe quel pays, n'a toujours besoin d'éducation. Tout à fait. Et qui dit éducation? Bien qu'il y ait des branches, des califouchons, des branches avec famille, avec l'école. Mais qui dit éducation? Où est l'école? Et famille? Mais ça nous besoin mettre accent sur l'IA, c'est l'école là. Dans toute société moderne, yo yo servi de l'éducation de base, formation intégrale des personnes. Des personnes là. Mm-hmm. Si éducation c'est formation de base, ou formation intégrale, ça capable intégrer et ti moun nan intégrer l'homme en société, et ben nous pas ca épanier éducation pour n'importe quelle circonstance en dedans un pays. Par exemple le cas d'Haïti que nous ta do ti moun ta do reprendre chemin l'école suivant les sa ministère établi calendrier li depuis 9 septembre mais nous prend jusqu'à aujourd'hui qui c'est 4 octobre et l'école pas qu'à ouvrir dans pays ça et yon pays qui a marché à reculons yon pays qui pour qu'on même construit yon pays qui plus bas que zéro est-ce que nous capables d'accord pour l'école, porte l'école fermée, quelle que soit la situation, pour que nous ne parlons pas de chemin l'école, pour nous repenser nouveau, pour nous faire l'autre travail dans le système, pour nous remettre le pays, pour nous remettre la nation, pour nous remettre le prochain, et par rapport à ça, nous faisons l'école. Est-ce que nous sommes capables d'accord pour nous fermer l'école et puis pour le pays à fonctionner comme ça? Non. Moi-même, en tant qu'éducateur ou technicien en éducation, moi pas pour ça. Moi pour tout. Un changement total radical a fait et en même temps pour l'école a fonctionné pour tout le monde a une peine de l'instruction. Peine de l'instruction, ça a même capable de société a grandi, capable de tout le monde a grandi, capable de famille là faire progrès. Et moi-même, moi souhaiter que yo responsable pays yo, responsable monde cap travail, cap faire soit manifestation yo pour yo mettre accent sur l'école. L'école, l'éducation est avant tout. L'éducation li englobe tout bagay. L'éducation n'est pas seulement pour créer, nous venons écrire sur tableau seulement. Ou besoin bon caméraman, faut li éduquer, faut li former, faut li prêt pour li venir dans la société pour faire travail qu'il a fait. Nous besoin yon bon jeune dans la presse là, faut li éduquer, faut li former, faut li à l'école, faut li instruire des travail qu'il a fait. Il a fait instruction avec là-dedans, mais il faut l'éduquer tout pour connaître comment pour l'aborder, pour l'aborder mieux, les gens qui sont dans la base côté la fait travail ça. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas nier dans la situation du pays. Nous connaissons que le pays n'est pas bon. Haïti a besoin
ça nous a dit là un changement, des changements total et radical. Mais pour changement commencer, mais gros côté pour attaquer. Pour moi, l'éducation c'est l'âme puissante. Avec un ça nous capable de changer le pays. Mais si avec c'est le boussole qui est capable de nous changer le pays, est-ce qu'il est capable de négliger? Moi, en tout cas, m'être libéré, moi pas pour et l'école n'a pas fonctionné et puis pour tibi crise sans que l'école n'a pas fonctionné. En fait, ça que nous déplorons et qui fait nous mal aujourd'hui en tant que haïtien, c'est parce que maintenant nous gens objectif manifestant voulait faire quoi là que en nous fermer l'école pour l'école pas ouvrir, mais pendant que l'école pas ouvrir, ti moun yo pas accès à plein de l'instruction ça. Et pendant ce temps, c'est crasé, brisé dans toute la rue. Est-ce que ça a son image, nous qu'a projeté en tant que monde au plein 21e siècle? Les NAP travaillent pour changement. Et il faut que les gens, les générations qui viennent, tirent les leçons des bagages qui nous font qui sont bons pour eux. Tout à fait. Par exemple, nous prenons la rue, nous disons nous voulons changement. Est-ce que changement, ça a voulu, je n'ai pas projeté là? Est-ce que les gens demain, ils ont une bonne image de nous-mêmes qui ont quitté pour eux, des bagages qui ont tiré les sons, ou bien les gens qui parlent de l'école, je veux dire, qui sont devant la télévision, par exemple, ils ont des bagages pour faire tirer les sons. Un, nous pas qu'à dire que nous avons revendiqué le droit nous, que nous avons bloqué la tête nous en même temps. Par exemple, nous bloquons au pays, pas gagner l'école, pas gagner l'hôpital, pas gagner gaz, pas gagner gaz, qui est un produit transversal. Côté nous ne pouvons pas passer, si nous avons des malades, une emergency. Pour arriver à l'hôpital avec, il y a des gens qui veulent faire dialyse, il y a des gens qui sont césariennes, il y a des gens qui sont formés qui besoin d'arriver à l'hôpital. Laissez-moi vous dire, perte de vie humaine qui a gagné à cause de ça. Moi, pensez même au pays qui est en guerre, mais c'est libéral, même pays qui est en guerre, l'école toujours fonctionne là-dedans. Il n'y a pas fermé l'école pour période ça. Par quoi que nous sommes d'accord, une crise politique quelconque, parce que j'ai un pays à pied là. Nous avons une crise politique oui, banale. Banale. Qu'on soit capable de faire que le pays avance. Par exemple, les WAP manifestés, il faut que nous connaissions l'objectif, ça nous va faire. Qui ça, ça a mené aux retombées sociales, retombées économiques? Qui ça a bien? Zami Mio, m'a toujours conseillé nous, les mêmes chances pour nous faire parler ensemble avec nous, nous sommes capables toujours revendiquer. Nous sommes capables toujours défendre le pays. Le pays d'Haïti n'est pas un pays comme ça, j'ai mis au dernier temps. Quand c'est mon abzam qui a fonctionné, il a fait une manifestation crasée, brisée, ça nous a gagné déjà. Nous avons crasé. Si nous avons une belle caille, un bel hôtel, nous ne pouvons pas craser. Parce que c'est eux-mêmes qui déjà patrimoine nous. Et nous avons fierté nous. La caille nous en Haïti, qui côté pour nous dormir, qui côté pour les touristes venir, nous ne pouvons pas brûler, nous ne pouvons pas craser. Nous avons tourné, nous avons fait plus bac. Et nous-mêmes, nous avons des pays voisins nous, qui ont avancé de façon exponentielle très vite. Et nous-mêmes, nous avons marché à recul. Nous avons gardé pour nous. Les-mêmes, ils ont un système qui est stable. Ils n'ont pas. Ils ont remis proche, ils ont remis ça à gagner. OK? Il y a des gens qui ont gagné, qui sont capables de faire un avancement. Et nous-mêmes, nous avons mis l'accent sur l'éducation. L'éducation, c'est formation. Formation intégrale, peuple, pour qu'il fasse nous changer d'avis, pour qu'il changer de position, pour nous capables de faire l'autre Haïti avec l'autre pays, mettre libéré. Merci, M. Jean-Marc. Merci pour tout le monde qui a attendu nous, qui a gardé nous, qui remet approche nous. Nous sommes toujours là pour servir. Nous sommes équipe Haïti. Merci, à la prochaine.